Le précédent projet la prévoyait pour le 31 août, mais la prochaine rentrée aura bien lieu le 1er septembre pour tous les élèves. Un nouveau zonage prend en compte le redécoupage des régions. L'Académie de Nantes, dont dépend la Vendée, passe donc de la zone A à la zone B. En 2016, nous serons pour la deuxième année consécutive les premiers à partir en vacances. Le calendrier des vacances, justement, un véritable casse-tête pour le ministère. Il a consulté 55 organisations représentatives des familles, des enseignants, mais également des professionnels du tourisme. Les vacances de Pâques ont ainsi été avancées pour améliorer l'activité économique dans les zones de montagne. Pour notre zone, la B, la période de travail entre les vacances de Pâques et d'été sera donc de 11 semaines. Le fameux 7-2, le rythme de 7 semaines de travail et 2 semaines de vacances, va être complètement bouleversé par ce nouveau calendrier. Et nous risquons d'avoir un troisième trimestre, même s'il est déjà souvent en pointillé à cause des ponts du mois de mai. Eh bien, ce troisième trimestre va avoir un nombre de semaines très très important. C'est fatigant pour les élèves. Autre nouveauté, le pont de l'Ascension, qui jusqu'ici était laissé au bon vouloir des rectorats. Il est désormais accordé à tous. La fin de l'année aura lieu au plus tard à la fin de la première semaine complète de juillet. Pour 2016, ce sera le mardi 5 juillet.